chance, mon bébé, tu te suis donné, te souviens de moi, bébé. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il nous met un bon ticket? Ouais, on va tous se parler là-haut. Nous voici avec Cathy Gobin. Bonjour et bravo pour ce concert. Mais merci beaucoup, je suis tellement fière d'être là aujourd'hui. Et je ne sais pas quoi dire, de toute façon, c'est une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui. Voilà. Et donc au Palais des Congrès de Montreuil en France, alors quelle émotion de jouer ce soir pour le public? Alors premièrement, c'est ma première concert ici en France, au Palais de Congrès. Et ben, je dois dire que j'aimerais le refaire, c'est tellement énorme pour moi et je suis très fière. Voilà. Comment ressentez-vous l'accueil du public? Et le public, c'était un public formidable. Formidable, je dois dire que j'ai jamais eu un public comme ça, un public top. Voilà. Alors moi j'ai débuté à l'âge de 18 ans, j'en ai 26 maintenant et ça fait 3 ans que je chante professionnellement, je veux dire, et voilà, j'espère que ça va continuer et je compte beaucoup sur mes fans et voilà. Quels sont vos projets pour 2012-2013? Alors, je pense bientôt un album encore qui sera beaucoup mieux que Gobé. Et je compte aussi beaucoup sur mes fans. Sans vous, il n'y aura rien d'autre encore. Alors, je vous dis merci. Oui, là, il y a. Alors, quel serait le message que vous pouvez nous dire et à vos fans aussi? Eh bien, j'aimerais dire au grand public que, voilà, si je suis là aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je vous dis à bientôt. J'espère revenir, j'espère vous donner encore plus. Et puis voilà. Merci beaucoup, on vous attend. À bientôt. Je vous en prie. Est-ce qu'il est comme Gobé ?
Comment vous ressentez le fait de promouvoir, propulser la culture mauricienne en Europe? Ah, la culture, ben, la culture mauricienne, elle est très très très, très vaste à Paris, hein, ben, en France. Hein. Et je pense que vous avez vu ce soir, avec Cassia, et Alenzo et Cathy Gobine, et la foule qu'il y a, et la foule se déchaîne. Hein. Voilà. Et que quand même la culture mauricienne, il est présent ici en Europe, mais quand même, il faut toujours mettre un petit touche, une nouvelle touche pour les personnes qui connaissent l'île Maurice, découvrent, il n'y a pas que l'île Maurice, il y a aussi l'île Maurice qui vient à nous, ici en Europe, pour qu'on puisse découvrir davantage le Séga et la culture de l'île Maurice. Donc c'est vrai qu'on a vu les danses qui étaient très très belles avec les robes et aussi donc le Séga est une musique qui évolue par l'ajout d'instruments, de cultures, donc c'est une musique en évolution. Oui, en évolution avec les nouveaux styles, surtout les nouveaux jeunes qui ramènent leur touche personnelle aussi. Voilà. Guitare électrique aussi, non? Électrique, la ravane, c'est tout. Moderne, mais quand ouais. Même, le Séga typique reste le Séga typique. Le Séga typique revient, on va dire, un petit peu au galop. Parce que, d'accord, on a les jeunes qui font un petit peu mélanger un petit peu les anciens instruments avec les nouveaux pour qu'on puisse avoir, un son nouveau et aussi faire connaître les nouveaux, les instruments anciens. Voilà. Ah oui, c'est important hein, pour la jeunesse de découvrir les anciens instruments, c'est sûr. Voilà. Merci. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. À bientôt.